au sonner à 8h pile chez moi. Mais c'est même pas le fait de me faire réveiller à 8h. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas fait depuis super longtemps sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une productive day in my life. Je pars pas du tout dans une optique d'être productif au niveau de mon travail, mais bien au contraire plus au niveau des autres trucs de ma life que j'arrive jamais à faire, genre c'est fou. Pour moi une productive day c'est pas une journée où tu vas bosser toute la journée devant ton PC ou faire que des tâches liées à ton travail ou liées à tes études. Pour moi une journée productive c'est une journée où justement tu produis le plus de choses possible qui te font kiffer. Vous pouvez rester toute la journée devant des séries Netflix ou à faire bronzette. Mais des fois ça fait du bien aussi de sentir que nos journées elles sont bien remplies, qu'on a fait plein de trucs qui nous font kiffer, mais aussi plein de petits trucs sur lesquels on n'avançait pas forcément. J'ai pas trop de trucs à faire pour le travail, donc ce matin je vais rester focus travail et cet après-midi on va se faire kiffer, on va faire plein de petits trucs là. C'est pas le même quotidien qu'à Lyon, on va pas voir faire les mêmes choses qu'à Lyon, mais on va voir faire d'autres choses qu'on peut pas forcément faire à Lyon du coup, et ça c'est cool. Il faut que je vous fasse ma to-do list du jour. En sachant qu'il est 10h, je suis debout depuis à peu près 1h30, mais vous avez vu, je suis allée marcher, j'ai pris mon petit déj, etc. Au niveau du taf, j'ai pas mal de choses à faire, mais il faut trouver un équilibre dans cette journée. Je me dis que dans tous les cas, je filme aujourd'hui, c'est pas pour travailler toute la journée devant mon PC. Donc j'ai fait un tri et je me suis... Qui m'a appelé? What the fuck? J'aime pas quand c'est des numéros inconnus qui m'appellent comme ça. Je vais faire ma miniature ce matin, mais je l'ai fait hier soir dans mon lit parce que j'ai un petit élan de créativité. Je me dis, ok, c'est maintenant qu'il faut que je la fasse. Ma miniature de la vidéo de la semaine dernière, je vous l'affiche à l'écran. Si vous voulez voir pourquoi je suis aussi fraîche, c'est dans cette vidéo là. Il faut que je bosse pour Typologie. J'ai un contenu Instagram à faire, un contenu TikTok. Une marque que j'utilise depuis le mois de décembre, absolument tous les jours. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles bébites quand ils m'envoient des produits. It's time to talk about Typologie qui sponsorise cette vidéo. Je sais, je ressemble à SCH actuellement. J'ai fait un test de coiffure. Je sais pas si j'aime bien. Dites-moi, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je suis maquillée, les yeux étirés et tout, ça peut être pas mal. Je sais ce que vous allez me dire, à chaque fois que je parle de Typologie, que je montre Typologie, même quand c'est du contenu qui n'est absolument pas sponsorisé. De toute façon, je vous le montre dans toutes mes vidéos. À chaque fois, j'ai un petit commentaire en mode on en a marre de typo. Mais les gars, posez-vous les bonnes questions. Si je vous montre tout le temps typo, si on vous montre tout le temps Typologie, c'est peut-être que cette marque est quand même incroyable. Bon, après, bien évidemment, là, je travaille avec eux, donc oui, je vous la montre, mais il n'empêche que toutes les autres fois où je vous la montre et tous les jours où j'ai fait ma skincare, c'est que, bah, on kiffe en fait. Je viens vous montrer ma petite routine de l'été que je fais actuellement sur ma petite peau. La première chose que je fais, c'est le sérum vitamine C. C'est le genre de sérum qui vient venir booster un petit peu l'éclat de votre peau. Si vous trouvez que vous avez pas bonne mine, que vous manquez d'éclat, que vous avez des taches, en une couche, c'est comme si vous aviez meilleure mine, en mode poupou, je viens de me réveiller, je suis de bonne humeur. Je pense que vous allez voir instantanément le résultat sur ma peau. Déjà ça pump un petit peu la peau, ça fait effet bombé et éclatant. A savoir que Typologie c'est 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut. Donc en fait je fais grave confiance à ces produits dans le sens où c'est naturel, ça va pas venir abîmer ma peau ou quoi que ce soit. C'est des produits qui sont made in France uniquement, matériaux recyclés et recyclables, cruelty free et vegan, la base. Et moi ce que j'aime trop dans cette marque c'est vraiment le côté esthétique, le minimalisme, le truc de on a juste besoin de ça et c'est très bien. Les composants sont archi clean et juste ça fonctionne trop bien. Ils ont tellement de produits, vous allez forcément trouver des trucs adéquats à votre peau, vous pouvez faire des diagnostics. Mon produit chouchou, là ça fait quand même 3 mois et demi que j'en fous tous les jours sur mon visage, c'est la crème solaire visage. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais en ce moment on ouvre la parole sur le fait que s'exposer au soleil c'est vraiment pas bon pour la peau, pour le vieillissement cutané, pour plein et plein d'autres raisons. Et d'habitude tous les ans je me dis oui je sais mais vas-y je fais pas attention parce que j'aime trop avoir des petits coups de soleil là, j'aime trop me bronzer la peau, j'aime trop avoir le temps aller. Maintenant c'est protection crème solaire tous les jours de l'année, tous les jours de l'année, parce qu'il y a des UV tous les jours. Donc là je suis sur un SPF 30 à l'aloe vera, donc en plus elle est hydratante, c'est incroyable. Mais en plus ça laisse pas de traces blanches, hyper fluide, hyper léger, tac, ça disparaît. C'est incroyable. Et ça laisse un fini comme ça, hyper brillant et qui colle pas. Tu peux te maquiller par-dessus après sans souci. Je trouve que c'est la base. Dans tous les cas, faut avoir une crème solaire. Donc si vous faites une petite routine peau sur Typologie, pensez à prendre aussi la crème solaire. C'est toujours ça de prix. Il y a deux produits que j'aime bien aussi chez eux. C'est le sérum teinté, tac, que je vais pas mettre aujourd'hui parce que je compte pas maquiller. Un fond de teint, mais également hydratant et qui est bon pour votre peau. Et enrichi en vitamine C et en squalane d'olive. Donc c'est pour hydrater votre peau, mais en même temps vous maquillez tout en finesse, j'ai envie de vous dire. Enfin bref. On va mettre le dernier
dernier produit, c'est les huiles à lèvres teintées. Vous avez plein de teintes. Moi, c'est la rose poudrée, donc c'est la plus claire. Après, vous en avez une transparente aussi si vous voulez juste l'effet gloss. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle est enrichie en huile de jojoba et en vitamine E. Donc en fait, vous venez hydrater vos lèvres en même temps de les sublimer. Et c'est hyper doux, c'est hyper agréable. Et l'applicateur comme ça, qui est trop mignon. Je trouve que ça fait hyper naturel. En même temps, ça repulpe un petit peu les lèvres. Voilà, j'ai terminé ma petite skincare, ma summer morning skincare. Pour qui je me prends, je ne sais pas. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets tous les liens des produits que je vous ai présentés en barre d'infos. Si vous cliquez sur n'importe quel lien, vous allez avoir un petit déodorant rose vanille offert dans votre commande des 45€ d'achat. Je n'ai pas ce déodorant actuellement avec moi parce qu'il est à Lyon. C'est galère de vivre dans deux endroits en même temps. Vous savez que je suis la meuf la plus instable. À chaque fois que vous me voyez dans une nouvelle vidéo, je ne suis pas au même endroit. C'est véridique. Et c'est très dur avec mes agents parce qu'on n'arrive jamais à bien se synchroniser pour recevoir les colis et tout. Ce qui fait que la plupart du temps, je suis là, je suis en mode, je n'ai pas le produit avec moi. Je vous dis juste les gros plus du produit du coup que vous allez pouvoir recevoir si vous commandez avec mes liens. Sans sel d'aluminium, sans alcool et sans talc. Il est à 98% d'origine naturelle, il est vegan et c'est du typologie. N'hésite pas à checker la barre d'infos si ça t'intéresse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là j'ai demandé à Sacha si elle avait un brief et elle n'a pas le brief. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste filmer et prendre en photo les produits. Je vais en faire quelque chose, on verra en fonction du brief qu'ils m'enverront dans la semaine. Au niveau taf c'est tout ce que je voulais faire mais vu que ça va être plus rapide que prévu, je pense que je peux avancer sur mon kit vidéo editor. J'ai pour projet de me lancer dans le montage vidéo en freelance. Je ne vous en dis pas plus mais du coup je suis un peu en train de bosser dessus. Je suis un peu en train de voir ce que ça pourrait donner. En train de me former sur les petits skills que j'ai pas. Et je suis en train de créer mon portfolio. Si jamais vous avez besoin d'une petite montage vidéo soon. Après niveau perso, challenge 10 000 pas. Depuis maintenant presque 2 mois, je marche 10 000 pas par jour. Il n'y a pas d'exception. Depuis aujourd'hui, il y a 3 jours où j'ai pas réussi. Un jour où j'étais dans l'avion. Un lendemain de soirée compliqué, c'était il y a 3 jours. Et hier, c'était vraiment, vraiment... Mais genre vraiment KO, j'aurais pu m'endormir en marchant. En vrai, il n'y a pas d'excuse sauf celle d'écouter son corps. Et quand tu vois que t'as plus de force, frère, force pas. Si c'est le mental où il y a un problème, tu forces. Si c'est ton physique, tu forces pas. J'aimerais faire de l'anglais. Vous voyez, c'est le genre de truc que je prends pas le temps de faire dans des journées lambda. Les genres de petits trucs là que je veux faire en plus, ça passe toujours à la trappe. Aujourd'hui, on va faire un peu d'anglais. Et j'ai trop trop hâte parce qu'en fait, apprendre des choses, réfléchir, me cultiver, faire fonctionner mon cerveau autrement. J'ai l'impression que mon cerveau est kéblo. Là, j'ai une plateforme d'apprentissage à tester, c'est Lingoda. Donc je vais m'inscrire, etc. Et on va tester ensemble, voir si c'est cool. Juste j'ai trop hâte de m'opposer et d'apprendre. Un truc aussi que j'aimerais trop faire, c'est finir mon livre. En ce moment je lis Campus Driver. Très gents, mais j'adore. Je pensais pas aimer, mais j'adore. Il faut que je fasse une machine à laver, faire du sport. Je vais faire une petite séance booty. Voilà c'est tout, bref je vous laisse parce que j'ai plus de batterie. Même quand je dois juste mettre un produit en avant d'une manière extrêmement banale, j'aime bien le faire à ma façon. J'aime vraiment que la photo soit quali. Il y a un aspect créatif derrière et parlant. J'ai fait plein de tests, j'ai changé de pièce, j'ai changé de lumière. J'ai ce besoin toujours de proposer des choses qui sont visuellement agréables à regarder et intéressantes pour que ça puisse sortir du lot. Je vais voir ce que je peux en faire. Aussi, j'ai commencé à faire un truc comme ça, au moins ce sera fait, j'aurai pas à m'en occuper demain. Vérifier ma vidéo qui sort demain, donc j'ai terminé le montage hier. Mais il y a toujours des petites modifs à faire avec la dernière vérification. Les gars, je suis contente, le résultat de la vidéo est trop cool. J'ai fait 2-3 modifs. En vrai, le temps de la vérif, ça m'a pris 37 minutes exactement. J'ai tout chronométré parce que j'ai envie de savoir combien de temps je mets à faire une vidéo de ce type, de mon efficacité, de mon niveau, tout ça. J'ai envie de tout analyser pour voir aussi ce que je pourrais proposer éventuellement à des clients, mais aussi pour moi, juste pour avoir une idée du temps que les choses me prennent. Parce qu'à chaque fois, je fais au feeling et je dis que mes vidéos prennent tant de temps à monter et donc ça va me prendre tant de temps sur une journée, etc. Et là, le fait de savoir exactement combien de temps ça me prend, ça m'aide déjà à répondre à la question quand on me le demande, mais aussi pour moi et pour mon travail à mieux m'organiser. C'est en 7 ans de montage vidéo que je me décide seulement à faire ça. J'ai remarqué qu'en un an là, mes skills ils sont grave bougés, tellement plus efficaces au montage. Sur la vidéo de la semaine dernière, on est à 7h35 de montage pour une vidéo. En vrai c'est faisable en 2 jours ou en une journée.
journée. Je sais qu'au bout de 4 heures de montage, j'ai eu ma dose pour une journée, donc généralement je le fais en 2 jours. Mais ça passe vite, 7 heures. 7 heures, vous rendez compte, 7 heures devant un PC sur un même contenu, genre. Quand tu kiffes, ça passe d'une traite, comme ça. Dites-vous que mes vidéos sont tellement plus montées qu'avant, sont tellement mieux montées qu'avant, et je suis sûre qu'elles me prennent moins de temps qu'avant. Sur une vidéo lambda où je faisais que des cuts il y a 4 ans, me prenait plus de temps que là, une vidéo habillée, etc. Je suis insupportable, j'arrive pas de me toucher tout partout, là, les ongles, les cheveux, les lunettes, les trucs. Je suis une putain de stressée, en fait, finalement. C'est que dans le même thème, je vais bosser sur mon dos de vidéo éditeur. Je vais mettre un petit chrono parce que j'ai pas envie que ça me prenne la journée. Je sais que là, si je me focus dessus, dans 3 heures, je peux regarder l'heure et me dire « Mince !» Il est 14h et j'ai rien fait de ma journée. Là, il est 11h50. J'ai l'impression d'avoir été lente comme un trou depuis ce matin en plus. Mais pas de stress. On est là pour kiffer. Bon, j'ai des messages entre temps de mon agent et il faut que je lui réponde. Forcément, parce que je suis pas en jour off. On va y arriver. Toujours, toujours mettre de la musique lofi ou des podcasts quand vous travaillez sur un DOS Canva. Pour faire passer le temps et pour vous concentrer. Si j'avais pas eu de quoi me rentrer dans un flow de concentration, comme des techniques de Pomodoro, des techniques de... Vous voulez que je fasse une vidéo sur mes techniques, comment être concentré et bien travailler, etc. pour une personne qui a des troubles de l'attention? Je pense que ça va être une bonne idée pour genre des vidéos un peu back to school et tout quand on sera tous... au charbon. Dites-moi ça en commentaire si ça peut vous intéresser, mais bref, j'ai sur mon téléphone une playlist de lofi, et en plus mon cerveau reconnaît que c'est quand c'est des musiques lofi pour travailler, vu que c'est tout le temps les mêmes que je mets, et donc il se met en mode concentration. Grave tenter de continuer parce que je suis à fond dans ce que je fais, mais on s'est dit fallait se mettre à sauf, sinon on allait rien faire de la journée et je me connais. Chose qui est plutôt cool et qui va m'aider à arrêter de bosser, c'est mon estomac qui gargouille. Il est 13h, j'ai faim, on va aller manger un petit truc, faire une petite pause. Je vais me faire une galette bretonne avec ce qui reste dans le frigo. Je pense que c'est pas très intéressant que vous voyez ça vu l'état de la galette. À tout de suite. Mon objectif grand angle vient littéralement de me lâcher dans la main. Normalement il s'est décroché de ma caméra. Faut que je trouve une manière de le remettre, mais le bouc s'est décollé. Vous êtes en gros zoom sur ma face là. J'ai fait ma machine, ça c'est une bonne chose de faite. Il est 14h, oh, ça me perturbe d'être aussi près de vous. C'est pas que je vous aime pas, mais... Il y a des limites quand même. Je vais aller marcher 30 minutes pour avancer mes pas. Je vais mettre un petit podcast de Lola, le podcast 5 avenue des Roses. Je l'avais pas écouté depuis longtemps et hier je me suis remise un épisode. Et en fait j'aime trop écouter ces podcasts. Ça me rappelle à quel point je ne m'occupe plus du tout de mon podcast et que c'est une chose que je devrais mettre au point, mais en fait chaque chose en son temps. Vous voyez bien que là je suis sur un autre projet, il y a un temps pour tout mélanger et tout vouloir faire. J'ai appris que c'était pas ce qu'il fallait, donc voilà, le podcast, on verra ça plus tard. Je ne sais pas ce que je fais après, parce qu'en fait il y a moyen que j'aille chez Clem, parce qu'en fait Nastasia va chez elle pour peindre, et j'avoue que ça me ferait un peu kiffer de passer vite fait, juste histoire de discuter, de passer un petit moment hors de cette maison. Bref, on verra. Je vais essayer de marcher 30 minutes pour bien avancer mes pas, quoi. 7000 pas, check! À la campagne, c'est tellement dur, j'ai l'impression que j'avais jamais atteint les 10 000 pas chaque fois dans la journée. Vous savez que j'adore le chemin du paradis. Je ne veux plus me le voir là, donc je pense qu'il faut que je trouve d'autres chemins et que je me balade dans le village et tout. Mais c'est ennuyant à la longue, je vous jure. Heureusement que les podcasts existent et que la musique aussi. En vrai, je suis contente de bosser sur ce projet-là, mais j'ai une question, j'aimerais bien reprendre le podcast et je voulais filmer quand on est deux, on peut les poster sur ta chaîne. Après, moi, ce que j'aimais bien dans le concept du podcast, c'est que... C'était pas filmé. Balek, si on filme sur le lit, si on est à poil, une mise en scène, une caméra, là, faut être bien coiffé, nanana. Mais au moins qu'il y ait un support visuel pour les gens pour qui c'est un peu plus compliqué. On perd le fond du truc. Genre, bientôt, on pourra mettre des vidéos YouTube sur Spotify, genre, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, après, dans le fond, je trouve ça toujours cool à regarder, en fait. En fait, je sais que là... Je savais même pas que ça existait encore, ce truc là. Moi je vois le bac là. Je vois le bac. Genre ça va me faire trop bizarre, j'ai trop l'habitude d'écrire dans des carnets ou sur mon PC. Là une feuille double les gars. Du coup c'est parti, on va faire un peu d'anglais. Mais c'est réel. Je vais me connecter sur Lingoda. Et ma déter, je suis allée la chercher loin quand même. Au final je suis pas allée chez Clem, je sais pas si je vais y aller. On a dit qu'on faisait une journée productive, donc on continue le programme. Il est 15h30. 15h30 ?
à quel moment l'heure est passée comme ça. Je vais faire ma première leçon et on verra. En vrai, ça me fait kiffer là si j'arrive à me poser en vrai une heure à me faire des petites fiches. Ça, j'avoue, ça me manque trop, ce que je disais tout à l'heure, mais apprendre, faire des petites fiches, des beaux petits cours, non. Je prends jamais le temps de le faire parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps, parce que je me dis, vas-y, si je le fais une fois, ça va m'apporter quoi dans ma journée à part me faire perdre du temps sur d'autres choses. C'est vrai que c'est intéressant de le faire quotidiennement. C'est vraiment de l'anglais, genre c'est important. Pourquoi j'ai enlevé mes lunettes, je ne sais pas. Vous me perturbez. Y a pas de gêne entre nous. Si j'ai envie de mâcher un chewing-gum, je vais jeter un chewing-gum. En vrai, je sais même pas exactement comment ça se présente. Je travaille avec eux pour ma prochaine vidéo. Je suis pas du tout allée voir le brief ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si jamais après vous êtes hypé par ce que je vais vous montrer là, attendez la semaine prochaine que je vous montre mon code promo, parce que je pense que j'aurai des offres pour vous. N'allez pas vous inscrire bêtement aujourd'hui. Bon, là je vous en parle, mais t'as capté, c'est pas la mention sponsorisée. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur les dessous de l'influence, parce que des fois je vous sors des trucs, vous devez vous dire mais de quoi elle parle, genre. Peut réserver des cours. Ah, parce que c'est des cours avec des gens. Je suis autodidacte. Si j'arrêtais l'école, ce n'est pas pour avoir des visios. Si j'arrêtais l'école, c'est parce que je ne supportais plus les visios. C'est des cours en groupe. Là, je vais sortir de ma zone de confort là. Mais ça peut être que bénéfique. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est vraiment les bases. En fait, je peux même pas en faire maintenant du coup, parce qu'il faut réserver des cours et là, j'en ai pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en réserver du coup pour cette semaine. Vous refilmerez ça dans une autre vidéo. Et c'est comme un sport. Il suffit pas de regarder les règles. Il faut jouer pour réussir à s'améliorer. Donc, c'est la même chose. Mais quoi qu'il, je vais quand même faire des fiches pour aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'on pouvait voir les leçons. Quand même, en gros, vous avez les supports leçons qui sont après à suivre pendant le cours, etc. Je suis de retour dans ma chambre. Nous sommes dans le bazar absolu. C'est la chambre que je partage avec ma soeur quand on est chez ma mère. Mais c'est notre prochaine chambre pour vous et moi, ces prochaines vidéos. Petit update live, du coup, on allait chez Clémentine, mais en fait, on n'y est pas allé parce qu'elle était pas là. On est arrivé, elle était pas là. Pour la petite joke, elle nous a dit qu'elle était en train de donner des cours d'anglais parce qu'elle donne des cours d'anglais. Alors que je comptais, du coup, qu'elle m'aide pour les miens. Mais bon, c'est pas grave. C'était grave drôle, genre on l'a appelé, mais t'es chez toi? Bah non, je suis en train de donner des cours d'anglais. Ok, bah du coup là il est 17h. J'ai mon coup de barre du jour. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me poser une heure dans mon lit. On suit la to-do list du jour. Je vais lire quoi, je vais bien m'avancer. Campus Driver, ça fait tirer depuis le mois d'octobre que je lis très fréquemment. Et là l'autre jour, je me suis fait une liste de tous les livres que je voulais lire. Celui-ci, je l'avais commencé sur Nextory. Mon abonnement s'est arrêté et j'ai toujours pas repris d'abonnement sur Nextory. Pour l'instant, je compte pas bouger. Je trouve ça pratique quand tu bouges, quand tu voyages, etc. Mais quand tu lis des sagas, je trouve ça toujours chouette d'avoir tous les livres de la saga en physique, you know, quitte à les revendre après sur Vinted. Non, non. Après, j'aime bien collectionner mes livres, voir tout ce que j'ai lu et tout. Je me trouve grave bronzée, là. J'ai fait ça, je crois que c'était avant-hier soir. Je me suis fait une liste de tous les livres que je voulais lire cette année. Je pense qu'il y en a un petit peu beaucoup. Bon, après, il y en a que j'ai déjà lu, faut que je les coche. Par exemple, Conte Fesiamé Plus, Too Late, Maybe Not, Regretting You, Mille Baisers pour un Garçon Normal, People. Bon, j'en ai lu d'autres que j'ai pas mis, mais en vrai, voilà. Ce sera une journée réussie. Voilà, si j'arrive à faire ma séance de sport, mes 10 000 pas et à finir ce livre. Il est 17h, je pense qu'on a largement le temps de faire tout. Bon. Je pense que je me dois de vous donner la vérité. Nous nous retrouvons une heure plus tard, que je n'ai pas lu une seule page de mon livre, que j'ai scrollé pendant 40 minutes sur TikTok. Mon cerveau en avait trop besoin. Mon cerveau avait besoin de scrollage. Vraiment. J'ai édité des photos que j'ai mis en ligne sur Insta. Donc, j'ai quand même été productive un petit peu. J'ai mis ce post là. Je vais mettre sur Insta si jamais. Je vais faire du sport, ça va me faire du bien, ça va me réveiller. Mais en fait, en ce moment, j'ai un gros souci, c'est qu'à partir de 17h, j'ai comme un gros coup de barre. Mais en fait, ça fait 4 jours que je suis comme ça. Puis les soirées, en fait, parce que j'ai fait 3 soirées d'affilée, je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai fait 3 soirées d'affilée et j'ai l'impression que j'ai dû danser à un moment donné. Ça m'a fait trop mal parce qu'en fait, je me tape des douleurs musculaires ici. Je pense que j'ai fait un faux mouvement. Et je me tape des douleurs musculaires qui me font trop mal en fait. Au crâne le matin, ça va parce que je viens de me réveiller. Au fur et à mesure de la journée, vu que je me tasse de plus en plus, ça monte dans le crâne et en fait ça me fatigue de ouf. Faire du sport, je pense que ça va me réveiller un coup. Et je n'oublie pas mon objectif de lire. De toute façon, on a toute la soirée, donc vous inquiétez pas. Je suis désolée vraiment pour l'habitacle de cette chambre. Il y a toutes les valises qui sont ouvertes, les valises de Bali, valises de Lyon. Bref, y a rien qui va. N'hésitez pas au chaîne à part si vous voulez collaborer avec moi. Je suis ouverte à la collaboration. Sachez-le.
à son tableau, là qu'elle a commencé. Et le bébé. Ça m'a l'impression d'être en plein milieu de mon plan. Les gars, updates, je suis trop contente de cette journée. J'ai réussi toute ma to-do list. 10 000 pas, ça c'est fait. Et ma petite skincare, là j'ai mis ma pâte bakuchiol. Quand je sens qu'il y a des spots qui vont arriver, ça les atténue de suite. C'est un de mes produits faf chez Tipo. Il me reste vraiment, vraiment pas beaucoup à lire. 22h30, il y a moi que j'arrive à terminer mon livre. Au pire, c'est pas très grave si je le termine pas. En plus, je pourrais aller acheter le tome 2 que vendredi. On est mardi. Si je me reste un tout petit peu à lire, c'est pas très grave. Faire des stories parce que j'en ai pas mise aujourd'hui alors que j'ai pris des trucs en photo et tout. J'ai plus d'énergie, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais la clôturer ici, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Oh, j'ai posté aussi aujourd'hui, je fais tellement de trucs. Je mets en barre d'infos ici le lien pour Tipo avec le rappel de l'offre. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude. 1, 2, 3, jump!